Bien, bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette mairie du 17e, où avec Benjamin Malot, adjoint au maire et en charge du quartier Termes-Maillot, nous avons le plaisir d'accueillir au nom de Monsieur Geoffroy Boulard, le maire du 17e, qui s'excuse de son absence car il est déjà retenu sur une réunion. Mais nous tenions évidemment à remercier d'abord Monsieur Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, de la chronisation des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâti, d'être avec nous ce soir et de participer à cette réunion de restitution sur embellir votre quartier, quartier Termes-Maillot. Nous avons avec nous également Maëlle Perronneau, qui est chef de la section territoriale de la voirie Nord-Ouest, de Tiffany Mégan également, qui est chef du projet territorial, chargée de la démarche en matière de votre quartier pour le 8e, 17e et 18e arrondissement. Donc soyez tous bienvenus et nous saluons évidemment les personnes qui sont derrière leur écran et qui nous suivent en direct sur Facebook et Twitter. Voilà, alors pour ceux qui ne pourront pas aller jusqu'au bout de cette retransmission, vous pourrez retrouver cette retransmission via le replay sur ces réseaux sociaux. Je propose peut-être, si vous voudriez dire un petit mot de l'intronisation, si vous voulez. Bonjour à toutes et tous, bonsoir. Je suis très heureux de représenter aujourd'hui la maire de Paris dans cette réunion qui j'espère, va nous permettre de conclure un beau processus. Et je remercie tous les élus du 17e, et Geoffroy Boulard, qui est au téléphone aujourd'hui, donc avec qui nous avons travaillé de façon tout à fait constructive ensemble, et je tiens à le saluer, c'est un plaisir. Puis remercier bien sûr tous les participantes et participants à cette réunion. Qu'ils soient divisés en chair et en os dans cette salle ou qu'ils participent via leur écran. Et puis remercier l'ensemble des participants, près de 200, lors à la concertation, qui ont déposé des contributions, qui sont intervenues ou qui sont votées, il y a eu encore plus de monde, sur les différents projets. Donc voilà, après, le processus, c'était, on choisit un quartier, donc le choix du quartier a été fait par la mairie du 17e, par son maire, et on essaye de travailler sur un projet global d'aménagement avec une enveloppe budgétaire conséquente pour aménager le quartier, donc chiffré depuis à peu près à 5,5 millions d'euros. C'est exactement ce qui représente des investissements très conséquents par rapport à ce que fait d'habitude la ville de Paris sur la voirie, et avec ces moyens-là, de définir un programme d'aménagement avec priorité la piétonnisation, l'apaisement de la circulation, la végétalisation de la ville, pour la rendre plus agréable, donc pour embellir le quartier. Voilà, donc le but étant un peu une page blanche, on ouvre avec bien sûr des orientations, hein, mais qui ont été, je crois, en phase avec l'équipe municipale du 17e, comme avec l'ensemble d'ailleurs des mairies d'arrondissement avec lesquelles nous travaillons. Ce soir, nous en sommes à la 6e réunion publique, donc c'est le 6e arrondissement, on va pouvoir avoir un aspect conclusif. Donc on a eu une réunion de présentation du projet qui était uniquement en phase en visio, et là cette fois-ci on a le bonheur de se voir pour certains d'entre nous. Donc voilà, vous avez proposé des choses, il y a eu des propositions de la mairie du 17e, il y a eu des votes, des orientations, et on arrive ce soir avec une proposition, je dirais, commune mairie de Paris, mairie du 17e, dont le but est, donc, tu vois, qui résout à peu près l'équation de rentrée dans le budget et de plan de circulation à un projet d'ensemble qui nous semble aux deux équipes municipales. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé avec David Belliard, l'adjoint aux mobilités, aux transformations d'espace public, avec Christophe Najowski, l'adjoint à la végétalisation, qui nous semble constituer un package équilibré. Évidemment, tous les projets qui ont été proposés dans la concertation ne peuvent pas être retenus parce qu'on excéderait les capacités budgétaires en sachant que déjà c'est un effort budgétaire important, mais on a essayé en commun et en dialogue de définir un projet où tous les quartiers, toutes les thématiques sont abordées. Voilà, donc le but c'est de vous présenter ça. Bien sûr, vous pouvez réagir, demander des précisions, il y aura des concertations ultérieures pour la précision des aménagements et éventuellement regretter. Enfin voilà, ce n'est pas forcément une réunion conclusive. Mais en tout cas, on l'espère que ça rejoindra et que si ça peut recueillir l'assentiment d'une majorité de participants, que ça puisse être une réunion conclusive et qu'on se lance après dans la préparation des travaux sur l'ensemble de ces chantiers que vous allez découvrir dans le cours de l'année 2022. Bon, pour l'instant, c'est la 6e réunion. Les 5 premières réunions qu'on a eues, dont 2 avec l'équipe de la section territoriale Nord-Ouest, dans le 8e et dans le 18e, ont toujours été conclusives et ça s'est toujours bien passé. Donc. Et après, peut-être,
C'est là la démocratie. Il y a un jour, ça se passera moins bien. Donc voilà. Et c'est bien, en tout cas. Ça se passe toujours très bien dans le 17e. Donc on ne sait jamais. Pour l'instant, tout va bien. Donc si jamais, mais n'hésitez pas. Et c'est toujours par l'interaction. C'est grâce à vos contributions qu'on a construit ce projet. Et c'est toujours par l'interaction qu'on pourra éventuellement l'enrichir et dans le dialogue avec la mairie du 17e et de Paris. Donc voilà, c'est vraiment une démarche collective. N'hésitez pas, on n'a pas la science infuse. Et en tout cas, beaucoup des projets qui sont proposés là, il y en a tout un certain nombre qui avaient déjà été identifiés par le maire Jean Paboulard et son équipe. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses que vous avez apportées. Et tant mieux, et on arrive avec voilà, un consensus, on l'espère, respectant à la fois la volonté du maire du 17e, les orientations de la maire de Paris et de son équipe que je représente, et vos propositions. Et on espère que, en tout cas, on est déjà deux parties du triptyque à être satisfait, que vous serez satisfait aussi. Je suis un peu long, mais voilà, en gros, le sens de cette réunion, on va avoir une présentation dans le détail de l'ensemble des propositions, et puis après, la parole sera libre et on prendra le temps qu'il faut, parce que, disons-nous bien que pour un quartier qui rassemble près d'un 1000 habitants comme le Terre de Maillot, eh bien, c'est, pour l'espace public, c'est la grande période d'investissement. Pour 6 ans, on va déterminer les grands plans d'investissement sur 6 ans, et un effort budgétaire majeur, beaucoup plus important que, et ça a pu être le cas par le passé, depuis au moins une dizaine d'années. Donc voilà, ce n'est pas à l'échelle de l'espace public de ce quartier, de votre cadre de vie, ce n'est pas des choix anodins, donc il faut prendre le temps d'en discuter et de les apprécier. Donc merci à toutes et tous. Alors, merci à vous, M. Baudry, d'avoir rappelé un peu la genèse de ce projet. Alors il faut quand même savoir que ce process a commencé en mars 2021. Il y a eu 85 projets qui ont été déposés par 184 personnes et il y a 600 personnes qui ont voté. Donc ça représente quand même effectivement un petit peu de monde. Et puis rappeler également que le choix du maire Geoffroy Boulard et de son équipe était sur ce quartier de profiter, si vous voulez, de l'importance des travaux qu'il y a. Et si vous êtes dans ce quartier, vous le savez, de la mise en place de la porte Maillot avec Éole, l'arrivée du tramway. Donc c'était aussi une occasion de profiter de ce moment-là pour pouvoir embellir l'ensemble du quartier qui était autour. Je crois que les objectifs, M. Baudry les a donnés, donc on va peut-être pouvoir maintenant laisser la possibilité. Alors évidemment, hein, vous aurez à la fois dans la salle et pour nos amis qui sont derrière les écrans, la possibilité de poser des questions. Il y aura tout à l'heure, on vous passera un micro ici dans la mairie, et puis pour les internautes, vous avez la possibilité, on vous donnera les questions et on vous y répondra en toute, d'abord en direct et en toute transparence évidemment. Voilà, on va peut-être laisser maintenant effectivement les services de la STV présenter cette restitution. Bonsoir, donc on vous a préparé une petite présentation pour ce soir que j'ai présentée à deux voix avec Maëlle Renaud. Et la présentation va suivre le schéma suivant. Tout d'abord, on va revenir un petit peu sur le calendrier des phases précédentes. Ensuite, on fera un rappel sur le schéma des possibles qui avait été présenté au cours de la première réunion qu'on avait fait ensemble. Dans une troisième partie, on fera un petit bilan de la concertation qui a eu lieu en ligne. Et dans les parties 4 et 5, on viendra sur les enseignements qu'on a tirés de cette concertation avec une proposition, premièrement, au niveau du plan de circulation et sur les projets qui ont été donc retenus pour le quartier Terre de Maillot. Alors, premièrement, sur le calendrier, comme on le disait précédemment, ça a commencé en mars avec une réunion publique de lancement au cours de laquelle je vous ai présenté un diagnostic qui a été fait en amont. Donc, c'est un diagnostic exhaustif que vous pouvez retrouver en ligne sur la page id.paris.fr et au cours duquel, aux conclusions duquel, on a tiré un schéma des possibles, dont en fait des propositions que nous, services techniques, nous avons fait pour les aménagements sur le quartier et qui pourraient servir de base de discussion pour la concertation. Suite à cette réunion, la plateforme de concertation id.paris.fr a été ouverte et vous avez pu commencer à déposer vos propositions. Au mois d'avril, on a fait une réunion intermédiaire pour présenter un bilan de la concertation à mi-chemin et présenter un outil qu'on a mis à disposition qui était un guide de marche en autonomie
qui pouvaient vous orienter et vous aider à déposer des contributions en ligne. La plateforme idpointparis.fr a été fermée le 1er juin, donc on a eu un petit peu moins de 3 mois d'ouverture de cette plateforme pour que vous puissiez déposer vos idées. Et on se retrouve aujourd'hui pour la réunion publique de restitution où on va vous présenter les informations qui ont été retenues. Du coup, pour revenir sur le schéma des possibles qu'on vous avait présenté la première fois, juste pour se remémorer de quoi on partait, on avait plusieurs objectifs. Donc, on avait identifié des axes à apaiser, des axes à végétaliser. On avait aussi parlé de ce qu'on appelait avant les zones 30, mais qui aujourd'hui représentent en fait l'installation de doubles sens cyclables dans toutes les rues, notamment. Et voilà, on avait parlé aussi de rues écoles, de certains lieux qui avaient été identifiés pour être aménagés. Et à partir de ce schéma, vous avez pu réagir et on va voir aujourd'hui du coup ce que ça donne. Donc, pour faire le bilan de cette concertation, comme on a dit précédemment, on a eu 185 participants sur le quartier Terme Maillot pour un total de 86 contributions. À savoir que parmi ces 86 contributions, il y avait 6 contributions qui ont été initialement déposées au budget participatif 2021. Mais comme cela concernait le quartier Terme Maillot qui faisait partie beaucoup de la démarche embellière, et que ça concernait des aménagements qui étaient importants sur l'espace public, ils ont été automatiquement reversés sur la plateforme Idépend Paris. Ces propositions ont reçu un total d'un peu moins de 600 votes, et quand on regarde les propositions les plus votées, on s'aperçoit que la grande majorité concerne des aménagements cyclables, notamment déposés par l'association Paris en Seine, sur l'avenue des Termes, sur le boulevard Pereire, et aussi l'aménagement du sous-quartier autour de la place Saint-Ferdinand. Donc voilà, au vu de ces contributions, je vais laisser Maëlle présenter nos propositions pour le plan de circulation qui sera mis en place dans le cadre de cette démarche. Bonsoir à tous. Sur cette diapositive, on vous présente les évolutions qu'on vous propose de faire sur le plan de circulation dans le quartier, puisque donc un des objectifs de cette démarche, c'est aussi d'apaiser la circulation au sein du quartier et éviter la circulation de transit pour la remettre sur les axes, les grands axes autour de ce quartier. Par ailleurs, une des contributions importantes dans le cadre de la démarche se situait autour de la place Saint-Ferdinand. Un autre élément qu'on a pris en compte, et qui est un des objectifs de la mandature, c'est d'apaiser la circulation autour des écoles. Donc, dans le cadre de ce qu'on appelle la rue aux écoles, on peut être amené à apaiser la circulation autour des écoles. Donc, on a essayé de prendre ces différents éléments pour proposer une modification des sens de circulation dans le quartier. Donc, ces modifications, elles sont relativement peu nombreuses et elles visent donc à suivre et à répondre aux objectifs qui nous ont été donnés. Donc, le premier point se situe en orange, donc c'est la rue du Colonel Moll. Donc, comme je viens de le citer, donc c'est une rue aux écoles donc, qui a fait l'objet d'un aménagement provisoire avec une fermeture donc, à la circulation. Et donc, dans le cadre de cette démarche, on confirme ce qui a été fait de manière provisoire avec la fermeture de la voie. La deuxième chose que j'ai aussi citée, c'est qu'on voulait faire quelque chose autour de la place Saint-Ferdinand pour essayer d'éviter l'effet rond-point de cette place et le fait qu'on constate une circulation de transit à travers cette place. Et donc, pour répondre à cela, ce que l'on propose, c'est de supprimer la possibilité de traverser de part en part la place et donc de fermer à la circulation des tronçons
du rond-point existant. Et ainsi, concrètement, quand on prend la rue du Débarcadère, on sera obligé de reprendre directement la rue Saint-Ferdinand. La rue Denis Poisson, on ne pourra pas faire tout le tour, on sera obligé de revenir sur la rue Brunel. Et sur la rue Saint-Ferdinand, on sera obligé de revenir sur l'autre tronçon de la rue Brunel vers le boulevard Ferrère. Et donc, cette rue-là sera mise à sens unique. Et donc, lié à ça, donc, on proposera un aménagement sur dans la suite de la présentation. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point est lié donc à une modification du sens de circulation sur la rue des Acacias pour éviter donc la traversée à travers le quartier depuis le boulevard, enfin, soit l'avenue Carnot, soit l'avenue MacMahon, jusqu'à l'avenue de la Grande Armée. Et donc, on propose d'inverser le sens de circulation entre l'avenue de la Grande Armée et la rue du Colonel Moll. Et donc, on espère aussi que cela aura une incidence sur le carrefour autour de la rue des Acacias et de l'avenue Carnot, voilà, où il y a aussi un sujet de sécurisation du carrefour. Donc voilà pour les trois propositions qui sont faites de modification des sens de circulation dans le quartier. J'ai essayé de les exposer le plus simplement possible, et on sera là pour vous répondre à vos questions dans la suite. Et je vais ensuite passer au projet que l'on propose de réaliser dans ce quartier. Donc il y a des projets qui sont réalisés en deux et qui ne sont pas financés sur les 5,5 millions de cette démarche et qui sont réalisés dans d'autres cadres, mais qu'il est important de citer parce que ça reste quand même un investissement un investissement public fort dans le quartier. Donc il y a des projets qui sont en cours. Donc il y a des projets majeurs, hein, comme le prolongement du tramway sur les Maréchaux. Il y a l'aménagement de la place de la Porte Maillot en lien avec l'arrivée d'Éole. Et puis on a aussi financé sur le plan vélo la pérennisation des cours de piste, et là en l'occurrence la pérennisation de la cour de piste qui avait été aménagée sur l'avenue Wagram entre la place de l'Étoile et la place des Termes. Donc ensuite on a d'autres projets qui sont réalisés sur d'autres financements. On a la végétalisation du boulevard Pereire entre la place de la Porte Maillot et l'avenue des Termes, où là l'idée c'est de planter davantage d'arbres, de végétaliser davantage ce tronçon du boulevard Pereire. On a aussi d'autres aménagements cyclables en dehors de l'aménagement de pérennisation de la cour à piste, avec une volonté de créer un axe cyclable et un aménagement cyclable sur l'avenue des Termes, qui traverse le quartier, et aussi sur le boulevard Pereire, qui traverse également le quartier, pour avoir un maillage d'aménagement cyclable sur le quartier, en dehors des contresens et des doubles sens cyclables qui seront aussi réalisés. Donc ça, c'est pour les projets majeurs financés dans un autre cadre qu'il est important de citer. Et puis, dans le cadre de la démarche Embellir votre quartier, au-delà des projets spécifiques sur des rues spécifiques ou des places, le but, c'est aussi d'intervenir de manière générale sur l'ensemble du quartier. Et donc, il y a des budgets, là, pour le coup, sur les 5,5 millions, qui seront utilisés pour intervenir dans chaque rue du quartier. Donc, on a cité un certain nombre d'exemples de réalisation et d'intervention dans les rues. Donc, comme on l'a cité déjà à plusieurs reprises, la généralisation des doubles sens cyclables dans toutes les rues, ce qui n'avait pas été encore fait. Associé à cela, on va créer des sas vélos. Ça existe déjà dans un certain nombre de voies dans Paris, mais c'est en amont des feux tricolores. On crée des sas vélos pour protéger
à la fois les vélos qui puissent se stationner juste en amont et devant la circulation automobile, et aussi ça permet aussi d'éloigner les véhicules du passage piéton. Création de stationnement vélo, parce que c'est l'occasion de créer du stationnement vélo dans le secteur, mais aussi se poser la question plus généralement de l'offre de stationnement dans le quartier, avec une volonté de se reposer la question des zones de livraison et d'en créer davantage s'il le faut, et puis de se reposer la question du stationnement pour les personnes à mobilité réduite. On pourra aussi intervenir pour pérenniser des aménagements Vigipirates, puisque dans les années précédentes, et notamment après les attentats de 2015, il y avait eu des aménagements provisoires qui avaient été faits devant certains établissements scolaires avec des barrières Vauban ou des barrières de Croix de Saint-André qui avaient été installées. Là, l'idée, c'est de pouvoir pérenniser éventuellement avec un élargissement de trottoir au droit des établissements concernés. Et puis, il y aura des interventions ponctuelles dont le programme est à définir plus précisément sur chaque rue, pour essayer de faire un coup de propre aussi sur chacune des rues, avec des reprises de pieds d'arbres, des reprises de marquage, aussi du désencombrement, des traitements de petits désordres, et puis aussi une volonté d'appuyer aussi sur l'aspect accessibilité dans le quartier, s'il y a encore des abaissements de trottoirs qui n'ont pas été faits au niveau de traversées piétonnes, de pouvoir le faire. Donc, il y a encore quelques cas dans Paris. On n'a pas encore fait le diagnostic sur le quartier, mais il y a encore quelques cas dans le quartier. Donc, si c'est le cas dans le quartier Terme Maillot, ça pourra être une intervention de fait. Il y a aussi la reprise des bandes d'éveil de vigilance en amont des passages piétons. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Si on a des trottoirs trop étroits, voilà, ça pourrait être ce type d'intervention, sachant que ça reste des aménagements ponctuels qui ne concerneront pas l'ensemble de la rue. Par exemple, si on parle d'élargissement de trottoir. Voilà, ça fait déjà un certain nombre de choses sur les interventions sur l'ensemble du quartier. Et puis après, Tiffany va vous présenter là les interventions plus ponctuelles avec des projets du coup plus importants sur quelques rues du quartier. Merci Maëlle. Là on a une slide assez conséquente, donc on va essayer de décrypter petit à petit ensemble de quoi il s'agit. Alors tout d'abord, je ne sais pas si vous voyez la légende, mais en gros, les projets qui ont été sélectionnés selon certains critères que je résumais avec des encarts de couleurs et des petits logos. C'est trop petit, on voit rien là. C'est très joli. Très petit. Ben, je vais vous donner les informations essentielles. C'est bien sur un écran, mais pas en salle. Tâchez de vous donner les informations. Ça a l'air d'être très joli. Non. Oui. Sinon, vous pouvez imprimer quelques exemplaires. Imprimer quelques exemplaires. Imprimer quelques exemplaires. La page 14. On va essayer de vous apporter une solution. C'est mieux. Un peu mieux. Donc voilà, on confirme de demander. C'est bien là. On va juste imprimer, je pense, la page 14. La page, c'est Malo, on va vous la faire. J'espère qu'en ligne, vous voyez bien. Donc, je vais vous expliquer les indicateurs avant de pouvoir les voir, et comme ça, on va savoir un peu sur quoi on se base. D'abord, on a les encarts qui sont de différentes couleurs. Donc, vous avez vu qu'il y a des encarts qui sont bleus, des encarts qui sont rouges, et peut-être que c'est un peu plus difficile à voir, il y a des encarts qui sont à la fois bleus et rouges. Et en gros, ça correspond à la source de la proposition. Donc, nous, on a reçu la proposition, certaines qui venaient directement de la mairie quand on les a consultées. Non, là, c'est un peu. Non, mais on vous apporte tout de suite des impressions. Mais pour ce genre, vous avez des exemplaires papier, vous ne pouvez pas nous en discuter. C'est ce qu'on est en train de vous dire, on est en train de les imprimer. Ah, voilà. Il y a l'encre qui sèche et les deux. Donc on a reçu des propositions, nous directement de la mairie, donc qui sont les encarts rouges, et des propositions des habitants en bleu. Et quand on a des encarts qui sont à la fois rouges et bleus, ce sont des propositions qui viennent à la fois des habitants et de la mairie.
Vous vous doutez bien que ça ne représente pas le total de toutes les propositions qu'on a reçues. Ça vient d'une sélection qui a été faite avec plusieurs critères. Donc un premier critère qui a été le nombre de votes que la proposition a reçu sur la plateforme. Un deuxième critère, ça va être la possibilité ou non de planter des arbres. Donc à savoir qu'on ne peut pas planter des arbres partout, que c'est soumis à certaines contraintes et notamment à la présence de réseaux en sous-sol et de largeur de la géométrie de la voie. Un autre indicateur qu'on a donné aussi pour faire le choix, c'est un nombre approximatif de places de stationnement qui devraient être supprimées pour pouvoir réaliser cette intervention. Et aussi savoir si l'aménagement comprend ou pas un aspect cyclable. Et enfin, vous verrez qu'il y a un certain nombre de petits plus dans les encarts. Donc en fait, on a classé les priorités de végétalisation. Donc ça va de 1 plus à 4 plus. Quand on a 1 plus, ça veut dire que ok, c'est bien de végétaliser. Et quand c'est 4 plus, ça veut dire que c'est vraiment à cet endroit qu'il faut végétaliser, c'est un endroit prioritaire pour la végétalisation. Donc fort de tous ces indicateurs, les choix ont été faits conjointement par la mairie d'arrondissement et les élus de la mairie centrale. Et du coup, on se retrouve avec un certain nombre de propositions qui ont un coût total des estimations à 5 471 000. Et du coup, on respecte l'enveloppe budgétaire de 5,5 millions avec un certain nombre de projets. Alors, je vais vous les décrire un petit peu. Alors, premièrement, dans la rue Alexandre Charpentier. Donc, c'est la rue qui se situe au nord à proximité de la caserne des pompiers. C'est un projet de végétalisation avec plantation d'arbres qui a été retenu pour une valeur de 398 millions d'euros. 398 000 euros, excusez-moi. Un peu dans la même veine, on a un projet rue Rumkopf qui a été aussi retenu. Donc c'est le même type de projet avec la plantation d'arbres qui se fait dans la bande de stationnement. Rue Val des Trousseaux, même chose. Donc pour des montants respectifs de 500. Pardon, c'est difficile les chiffres aujourd'hui, 355 000 euros et 265 000 euros. Pour la rue Pierre-Demour, donc à proximité notamment du marché Lebon, on a un projet d'élargissement de trottoir pour une valeur de 255 000 euros. Ensuite, pour accompagner notre proposition pour le plan de circulation, on a des aménagements qui ont été retenus sur la rue Saint-Ferdinand et sur la place Saint-Ferdinand. Donc, sur la rue Saint-Ferdinand, il s'agirait de végétaliser en jardinière. Donc, ça serait de la plantation en pleine terre, donc pas de bac. Et pas d'arbres non plus, parce que dans cette rue, on a une impossibilité de planter des arbres du fait des contraintes des réseaux en sous-sol. Et sur la place Saint-Ferdinand, c'est le projet qui a l'estimation la plus importante à 1,1 million d'euros. Où l'idée, ça serait de réfléchir au cours d'une concertation à venir à un aménagement global de la place en adéquation avec la proposition de plan de circulation. Donc, qui pourra intégrer de la végétalisation et contribuer à l'apaisement de cet endroit. Il nous reste la moitié des projets. Donc, pour un montant de 370 000 euros, un aménagement a été retenu sur la place Tristan-Bernard qui consistera à essayer de végétaliser un peu plus cette place et de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme aménagement. Rue du Colonel Moll, on a du coup la pérennisation de la rue aux écoles. Donc, actuellement, c'est fermé à la circulation et le but, ça serait de donner à cette rue un aspect un peu plus ludique, un peu plus planté en fonction de la conservation qui aura certainement lieu sur ce sujet. Ils ont moins minéral. Moins minéral. Voilà. Exactement. Et pour accompagner ce projet, on a aussi remarqué qu'on avait une possibilité de plantation d'arbres sur la rue des Colonels Renard. Donc, c'est la rue qui est perpendiculaire juste à côté. Et du coup, la plantation d'arbres dans cette rue, ça pourrait accompagner le projet de déminéralisation de la rue du Colonel Moll.
Enfin, un autre projet a été retenu qui est la végétalisation de la place, donc qui est en fait à l'angle de la rue Montenotte et de l'avenue MacMahon. On a déjà des arbres et dont les, par exemple, les pieds d'arbre pourront faire l'objet d'un traitement particulier. Et enfin, sur la rue des Acacias, un aménagement de sécurité pour l'angle entre la rue, en fait, au débouché de l'avenue Carnot, en face de la rue d'Armaillé. Pardon. Donc, en fait, c'est un aménagement du carrefour, voilà, sur lequel on n'a pas forcément de programme défini précisément, mais en tout cas, il y a une volonté d'intervenir à ce carrefour-là voilà, pour apaiser la circulation. Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris ce qui se passe rue du Colonel Mole, à part que c'est réservé aux enfants et donc pas accessible aux voitures. C'est une rue qui va être pérennisée comme l'est actuellement, par exemple, qui est un bagage dans l'ordre de l'arrondissement. Donc, ce sont des rues aux écoles qui, avec le temps, ont été végétalisées, qui ont été. Voilà, là, comme nous l'avons expliqué, il y a eu un premier geste, cette fermeture de la rue du Colonel Mole. Évidemment, tout le monde n'est pas satisfait. Il y a une marge de progression et de possibilité de faire mieux dans cette rue, et c'est ce qui va être fait dans le cadre effectivement, de ce budget. Ce quartier-là. Et d'ailleurs, ces rues aux écoles, quand elles sont pérennisées correctement, c'est plutôt réussi. Hein, je crois que M. Baudrier en avait parlé au retour des vacances, il y a eu beaucoup de rues qui ont été pérennisées comme ça, et c'est en général plutôt bien fait. Mais justement, on a mis à la suite une page un peu de référence qui ne nous engage pas. Mais en tout cas, qui permet de donner un peu une idée de ce qui est attendu en termes de végétalisation, de nouveaux usages. Donc, par exemple, on a mis une photo de rue aux écoles avec donc juste une barrière fermée, donc en haut à gauche, mais sans végétalisation particulière. Donc là, c'est plutôt ce qu'il y a aujourd'hui rue du Colonel Mole. Après, on a mis l'exemple de la rue des Martyrs en bas à gauche. Donc, c'est une végétalisation dans la bande de stationnement avec un élargissement de trottoir. À côté, c'est des principes de végétalisation que l'on peut retrouver, par exemple, rue du Capitaine Lagage. C'est un peu ça qu'on a fait. Puis après, on peut envisager du marquage ludique ou de nouveaux usages. Alors, pas forcément sur la rue aux écoles, mais par exemple, sur une placette, on peut envisager de mettre du mobilier de type baby-foot ou table d'échecs. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on peut avoir fait sur d'autres arrondissements. Et puis, aussi un exemple de végétalisation de pieds d'arbres. Voilà. Alors, je vous propose qu'on. Vous avez raison, c'est très ouvert comme question, mais on va peut-être juste quand même finir le déroulé. Oui. Pour terminer, on a un petit calendrier prévisionnel de ce qui va se passer maintenant. Donc, en fait, à partir de là, l'automne 2021, on va commencer, nous, à réaliser les premières interventions ponctuelles dont on a parlé au début. Donc, s'il faut refaire du marquage, ce genre de choses, régler les petits désordres, les petits travaux, ça commencera à partir de cet automne. En parallèle de ça, on va continuer nos études et une phase de concertation sur les projets, puisque en fait, les projets qui ont été retenus, ce sont des grandes orientations et des lieux d'intervention. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas de programme défini d'aménagement. D'ici la fin 2021, début 2022, ce sera la mise en place du plan de circulation et accompagné de la création des doubles sens cyclables.
Voilà. Et à partir de 2022, ce sera la réalisation des projets qui auront été concertés. Donc, ça s'étalera sur l'année. Et voilà, ce sont les projets plus importants à partir de 2022 seulement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'ai juste, je peux vous dire sur un point, sur la partie autonomie matière. Vous avez bien compris, enfin, je le redis, sur les petits aménagements, là, les services y vont. Sur les grands projets de type aménagement des places et puis grand axe avec piste cyclable, c'est une nouvelle phase de concertation, ça qu'on fait avec vous. C'est une co-construction, bien évidemment. Mais, comme a dit monsieur le maire, ces grandes orientations-là, on est en phase entre la mairie du 17e arrondissement et la mairie de Paris. Voilà. Mais ensuite, bien sûr, sur les grands projets d'aménagement, vous aurez à nouveau la parole. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a d'autres... Excusez-moi, mais le plan de circulation, c'est très bien, mais avec les travaux actuellement, tant que ça ne va pas être terminé, moi j'ai rien contre le plan de circulation. Donc les travaux ne vont pas être terminés, c'est une bagarre sans nom. Un jour, c'est une route qui ferme, un jour un autre, les camions sont passés dans les rues, abîment les voitures. Le plan de circulation, ce serait bien que ce soit fait une fois les travaux. Alors, le choix qui a été fait en commun par la mairie du 17e et la mairie de Paris, c'est qu'il y a des évolutions de plan d'accueil. Actuellement, il y a des travaux lourds sur la porte Maillot qui vont être terminés bientôt, et des travaux lourds sur le tramway avec un impact très important sur la fermeture de la porte de Champéry. Donc il y a des gros impacts. Donc, le Front Vouloir a été très demandeur, ainsi que les associations cyclistes d'une fondation d'une piste cyclable sur la ville d'Éternes, qui est un très grand axe structurant, qui, lui, est moins impacté par les travaux. Donc, on s'est proposé, alors que c'est une forte attente à la première du 17e, les associations de cyclistes et de la famille, mais tout d'accord, il ne faut pas le faire tout de suite, parce que ça aura des impacts très importants sur un très grand axe. Il faut plutôt attendre après les Jeux Olympiques, une fois que l'avenue de la porte de Champéry et une fois que la porte Maillot seront libérées, une fois que le tramway sera libéré. Donc voilà, donc ça, par contre, on a fait un choix sur les modifications de circulation dans le cadre d'envahir votre quartier. C'est des choses ponctuelles au sein du quartier vers la place Saint-Ferdinand des Acacias, mais qui sont importantes pour apaiser ce quartier très résidentiel et commerçant, et qui n'a pas d'impact sur les grands axes de circulation. Vous voyez, donc en gros, on ne vient pas. Ce qui aurait rajouté des complexités importantes dans le quartier, ça aurait été la piste cyclable du Éternes avec des grands travaux pendant plusieurs mois, que vous avez déjà deux gros chantiers. Je pense que vous êtes en phase avec elle. On a décidé tous ensemble que ça suffisait bien et qu'on attendait un peu. Voilà. Et on s'excuse auprès des cyclistes qui attendent la piste cyclable du Éternes, mais il me semble que ça ne serait pas réaliste alors qu'il y a déjà des aménagements très lourds qui vont profiter aux cyclistes avec le tramway, avec une piste cyclable et avec l'aménagement de la part de Maillot avec un axe cyclable. On n'en rajoute pas un troisième en même temps. Ça sera pas pour 2022, parce que ça fait pour après. Donc la piste cyclable du Éternes, ce sera en 2025. Et là, il y aura un nouvel impact, mais il n'y aura plus que ça. Comme c'est marqué des nuls valides, c'est pour ça que... Voilà. Mais votre question est tout à fait légitime. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que sont des doubles sens cyclables? Et où ça s'applique? Même question. Parce que j'aimerais qu'on m'explique pourquoi les cyclistes empruntent les sens interdits, par exemple, les trottinettes et les trottoirs. Donc, qu'est-ce que sont les doubles, les créations de double sens cyclistes? Est-ce que c'est dans les rues qui sont réservées aux cyclistes, ou est-ce que c'est dans les rues où il y a une circulation dans les rues? Alors, je vous proposais là, justement de prendre deux ou trois questions en même temps. Alors, sur la partie trottoir, non, c'est tout à fait interdit. Maintenant, on va vous répondre sur les pistes cyclables inversées et double sens. Est-ce qu'alors, on peut prendre deuxième et troisième question qui vont. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Je suis de l'association Paris-Ansel qui a proposé plusieurs projets pour. Merci pour votre collaboration. Avec plaisir. Votre action. Oui, le plan de circulation côté Saint-Ferdinand, enfin, le sous-quartier de Saint-Ferdinand, qui reprend quelque chose près de ce qu'on avait proposé. C'est, du coup, c'est hyper intéressant. On a hâte de voir la concrétisation. Par contre, je trouve que le quartier au nord de la ville des Fermes a été un peu complètement oublié du plan de circulation. La rue Garçon, par exemple, qui est très
passant, oui, le secteur Rayen Gartan, vous le savez mieux que moi, un peu compliqué en ce moment. C'est sûr. En ce moment, ça va. Et maintenant, on a Pierre Demour aussi, compliqué. Donc, Pierre Demour, en plus, comme là, la rue Saint-Ferdinand permet encore de continuer. Donc, on a quand même un itinéraire qui est assez loin chez Pierre Demour qui continue et qui n'est pas interrompu. C'est encore préservé. C'est un peu dommage. Donc, cette dynamique de temps de circulation qui est bien prise en main. J'ai un peu oublié la moitié du quartier en fait, c'est un maillot, donc la partie Saint-Ferdinand au-dessus, Garçon, Bayen, Pierre de Mont, etc. Après, bon, effectivement, sur le calendrier de la ville éterne, c'est quand même quelque chose qu'on nous a promis depuis longtemps, en 2022, enfin, 2025, c'est un projet déjà de mandature d'avant, c'est beaucoup ce projet-là. Et bon, il y a des petits membres mais, qui ne sont pas forcément très graves, notamment sur ce qui a été proposé pour passer des maréchaux jusqu'à la piste avec la Vision Saint-Cyr, en fait, qui ne permet pas d'aller plus loin, mais encore lâcher un peu dans la forme de la place des Termes, et sans aménagement cyclable pour y aller, sans aménagement cyclable pour ensuite sortir de Paris. Un peu dommage là aussi, après, il y a les contraintes budgétaires qui ne permettent pas de tout faire. C'est ça. Projet que vélo, mais il y a bien sûr qu'il y a eu du travail à faire. Il y a une enveloppe de 5,5 millions. Honnêtement, j'en suis très content. Merci à l'équipe de Paris. Je pense qu'il y a d'autres quartiers qui sont aussi intéressés d'avoir ce projet, mais bien sûr, il y a encore du travail, y compris à l'intérieur du quartier et y compris les jonctions avec les villes limitrophes qui ont déjà fait leur aménagement. Donc voilà, il faut absolument qu'on crée la jonction, bien sûr. Une troisième question, puis après on répondra. C'est mieux que le micro, parce que si je ne pense pas qu'en. Non, bon. Parce qu'ils entendent en fait en live. Je voudrais comprendre la notion de réalisation du double sens cyclable dont on a l'air de dire dans toutes les rues. Comment peut-on imaginer du double sens cyclable, toi qui es associé. Dans des rues étroites, je vois la rue au bout, la rue versant, comment on fait, où est-ce qu'on met les pistes cyclables. Bon. Donc, ça, c'est question 1. Et donc, je voudrais savoir s'il y a une association des amis de banlieue. Parce que si vous invitez des amis qui habitent Paris, ils n'ont qu'à prendre le bus et le métro, d'accord. Si vous invitez des amis de banlieue, ils vont venir en voiture, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, il faut faire les trois correspondances. Bon. Donc, logement, les amis de banlieue, qui, lorsqu'on a mis toutes les végétalisations, lorsqu'on a mis les pistes cyclables, on a augmenté les emplacements pour les automobiles, c'est bien. Mais qu'est-ce qui reste pour inviter les amis de banlieue? Ben, vous allez chez eux. Non, vous avez raison. C'est... Votre question est le reflet de ce que l'on entend en fait un peu chaque jour. Tout à l'heure, j'étais avec une entreprise qui fait maintenant des scooters électriques, des trucs très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pense pas à ce genre de choses. Vous avez raison. C'est une problématique un peu générale à Paris. En même temps, c'était un projet municipal de la maire de Paris. Paris était élu. Donc, il n'y a pas de grande surprise. On sait la volonté de la mairie de Paris de faire maintenant une mobilité différente, une mobilité douce, et on y adhère d'ailleurs. Après, en revanche, on n'est pas non plus. Le maire n'a pas vocation à accepter qu'on retire toutes les places de l'assemblement, tout est réfléchi. Mais il existe maintenant aussi des zones de parking et des choses. Voilà. Mais on ne supprime pas systématiquement. Sur les parkings. Dans le quartier, il y en a quelques-uns. Il y en a deux, il y en a Port Maillot, il y en a quelques-uns. Le parking à Port Maillot. Pour vous donner un éclairage complémentaire, vous posez une question de fond.
de la philosophie, voilà, sur le projet. C'est important de répondre. Globalement, le nombre, là, il y a Vincent Malard qui représente, qui est collaborateur de David Béliard, qui est l'adjoint en charge de mobilité, une politique globale, et on considère qu'il y a, chaque année, les Parisiens ont de moins en moins de voitures depuis, ça date depuis 1995, donc le nombre de véhicules possédés par les Parisiens baisse de façon très régulière. Donc il y a un nombre de places de parking au sous-sol qui se libère de plus en plus important, et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de places vides en sous-sol à l'échelle globale de Paris qu'il y a de places en surface. Donc, en résumé, si on avait trouvé toutes les voitures en sous-sol, on pourrait libérer toute la surface, bien beaucoup plus. Le sujet, c'est que les situations sont différentes quartier par quartier. On avait vu dans le diagnostic qui avait présidé à sur le quartier de Termaillot que l'offre en sous-sol par rapport à la demande de Termaillot n'était pas si importante. En tout cas, la situation du stationnement était plus compliquée dans votre quartier que dans l'autre. Donc, votre question n'est pas illégitime du tout et est avérée par les données quantitatives qui coûtaient encore le stationnement. Donc, le sujet, vous verrez dans le petit PowerPoint à chaque projet, j'ai remarqué combien de stationnements vous soufflez. De concert avec Geoffroy Bouvard, donc par rapport à d'autres quartiers, on a fait un choix, et votre équipe municipale, de ne pas, je dirais, de supprimer quelques places stationnement pour permettre d'aménager l'espace public, mais pas de façon moins volontariste qu'ailleurs. Donc, je dirais qu'on a. Dans un autre quartier où la tension sur le stationnement est beaucoup moins importante, on a des quartiers où il y a énormément de places en sous-sol. Là, dans le quartier, c'est plus compliqué, donc on y a été avec modération. Mais néanmoins, on ne s'est pas empêché quand même de faire un certain nombre d'aménagements qui permettent d'aménager le stationnement. Voilà, globalement, on arrive, le même type de présentation dans d'autres arrondissements, il y aura beaucoup plus de suppression de places de stationnement parce que il y a moins de demandes. Là, dans ce quartier-là, voilà, on a tenu compte de cette réalité objective que vous exprimez de façon tout à fait légitime. Je laisse de côté le stationnement résidentiel de gens qui ont des raisons. Donc, on a vocation à l'année à louer des parkings dans tout sol. Mais il y a ceux qui louent. Non, on a, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on a laissé plus de place en surface qu'ailleurs. On a tenu compte de votre marque qui. On va peut-être répondre aux questions relatives aux pistes cyclables. Voilà. Juste avant, là, donc, comme l'a dit Monsieur Malard du cabinet d'Alice Béliard, vous êtes invité, hein, bien sûr, à la table avec nous. Si vous le souhaitez, vous représenterez l'adjoint à la maire de Paris, Monsieur Béliard, que tout le monde le connaît, je pense. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, vous êtes le bienvenu à la table. On va peut-être répondre sur les pistes cyclables techniquement. Oui. Oh oui, alors. Pas qui veut répondre. Voilà, vous me laissez si vous souhaitez. Oui, je peux vous répondre sur les doubles sens cyclables. Effectivement, ça paraît pas de prime abord, ça paraît contre-intuitif. On a l'impression que les doubles sens cyclables, c'est dangereux. Et en fait, toutes les études qu'on a voilà, nous montrent que finalement, il y a très peu d'accidents sur ces doubles sens. C'est le double sens, c'est pour permettre aux cyclistes d'emprunter les rues en sens interdit pour raccourcir les trajets. En fait. Il faut faciliter la vie pour les cyclistes pour qu'ils évitent de faire des détours. Et donc, la loi permet, oblige même les rues qui sont en zone 30 à être équipées de double sens cyclable. Donc, c'est-à-dire sens inverse des voitures. Voilà. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, le cycliste a un peu peur, donc il peut pas tomber, la voiture a un peu peur aussi, donc elle peut diminuer sa vitesse. Finalement, on a très peu d'accidents. Donc les expérimentations qui avaient été menées il y a quelques années ont été plutôt très positives. Et du coup, c'est obligatoire pour toutes les rues classées à 30, donc à Paris, pour l'ensemble de ces rues. Mais on en voit donc beaucoup à Paris, mais aussi dans toutes les villes de banlieue, à Saint-Denis, à Clichy, il y a plein de sens cyclable qui commence à se mettre en place et qu'on doit faire dans les années à venir. Donc c'est matérialisé par une flèche en contresens. C'est pas forcément une piste, donc ça peut l'être sur des rues qui sont très circulées, très larges, mais c'est pas obligatoire. Et c'est valable pour les trottinettes aussi. Tout à fait. Ouais. Et les piétons vont où Sur le trottoir. Parce que, quand tu mets le vélo, ça t'embête sur le trottoir.
couvrant le piéton, maintenant tout le monde a le droit d'aller à contre-sens, et puis sur la route. Oui, alors c'est dans enfin, alors on n'est pas à la préfecture de police. Les mères de famille avec des poussettes, les petits enfants qui sortent de l'école et les personnes qui ont des bien sûr. Alors, on reste encore dans un cadre d'incivilité. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu diminué, mais je peux me tromper. On a connu des accidents, même mortels, en 2019, je crois, de mémoire. Moi, j'avais l'impression que ça s'était un peu calmé. Par contre, les scooters, oui. Ça, c'est un fait. Les scooters livraison, c'est 100 fois libre. Bon. Moi, ce que je peux vous encourager par rapport à ça, parce que vous êtes dans votre quartier, remonter l'information, on est très vigilant là-dessus, parce qu'il y a une chose sur laquelle, malheureusement, on ne pourra rien faire, c'est sur la croissance de l'incivisme de la part des gens. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec tout, mais il y a une chose sur laquelle, aujourd'hui, on ne peut pas tout reprocher à tout le monde, mais parce que les gens se comportent mal aussi. Et si vous voulez, il y a un manque de respect de l'environnement, des gens, aujourd'hui, vous avez... Mais dans tout le monde, personne n'est parfait. Mais remonter par contre ces informations, aujourd'hui, il y a une proximité qui existe avec les équipes, notamment la mairie, avec vos délégués de quartier, vos conseils de quartier, ou même avec les adversaires du cabinet de la mairie du 17. Et on est très vigilants là-dessus, et je peux vous assurer que quand on a une information qui remonte, on n'attend pas d'en avoir 50, on saisit assez rapidement les délégations concernées, saisissent assez rapidement la DPSP, donc c'est ce qui va devenir plus simple, la police municipale parisienne, dans quelques mois maintenant, qui ont vocation à intervenir. Et il y a un gros travail de collaboration avec les mairies d'arrondissement, c'est pareil dans tout Paris. Et quand il y a un sujet comme ça, je peux vous assurer qu'ils sont assez réactifs, même très réactifs. Et si besoin, là aussi, même la police nationale, c'est les sociétés. Mais il faut remonter l'information. Parce que, comment la remonter ben, je... Il faut en punir. Parce qu'il faut, c'est punir. Oui, vous savez. Malheureusement, la peur du gendarme existe moins qu'avant, mais en tout cas. Il n'y a pas plus de gendarme. Oui, enfin. Ceci étant, on sait par expérience que quand on met un peu la pression, en gros, pour faire court, quand on commence à demander effectivement au service de police, à des PSP, d'être présent sur un secteur ou un quartier, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui leur montrent aux autres qu'ils ne respectent plus rien, quand ils viennent, ça se calme quand même. Il y a quand même, parce qu'il y a verbalisation, et qu'à un moment donné, voilà. Les remontées, on vous donnera tout à l'heure, hein, c'est pas. Alors, moi, on peut donner des exemples, par exemple, sur la porte de Champéret avec les travaux, où on a eu ce genre de confronté au début des travaux, hein, d'un civisme total, parce qu'il y avait quasiment des difficultés de piétonner pour les piétons. Tous les services ont travaillé ensemble, la ville de Paris, les services de la PSP, la mairie d'arrondissement, et on a réussi petit à petit un petit peu à canaliser ces problématiques. Et on l'a su grâce à qui? Grâce aux habitants qui nous remontaient ce genre d'informations. Et là, on s'en est saisi, le maire est très sensible à ça. Et les instructions et la collaboration avec tout le monde s'est fait. Et aujourd'hui, ça s'est quand même vraiment, ça s'est bien adouci. Oui, je voudrais attester que faire une suggestion, ces rues avec des cyclistes, des trottinettes dans le sens inverse, etc., bah, ça crée une psychologie du désordre. Je ne dis pas que c'est la volonté, mais ça crée une psychologie du désordre. Et donc, tout le monde va n'importe où dans n'importe quel sens. Donc, j'aurais une suggestion concrète à faire, qui est, parce que, bon, j'ai trouvé des gens, la police, elle ne sera pas là derrière, c'est multiplier un peu partout, ça serait mieux qu'une campagne de communication, parce qu'une campagne de communication, ça c'est la bonne. Non. Bon, j'y vais pas jusque-là. Mettre des panneaux, alors peut-être de façon humoristique. Les trottoirs, c'est pour les piétons, Alors, si ça doit prendre la forme d'un petit affichage, d'un petit sticker, je ne sais pas quoi. Mais les trottoirs, c'est pour les piétons. Alors, il faut dire ça sûrement mieux que ça. Je suis sûr qu'un communicant trouvera une expression, le trottoir. Non, on peut utiliser dans le cadre de la concertation, moi, je trouve ça très intéressant. Et on met bien sûr. Mais aujourd'hui, puisqu'on est beaucoup dans la répression, c'est vrai. Il n'y a personne sur place, d'ailleurs, pour. Donc, on peut la jouer, bien sûr, sur l'éducation. Le côté du rappel du code de la route, bien sûr. Pourquoi pas, monsieur, mais vous avez l'adjoint, enfin le collaborateur de l'adjoint de mobilité à la table, pourquoi pas. Moi, je voulais juste répondre à monsieur de Paris-Ancel qui posait une question d'une satisfaction pour les projets. Après, c'est
vraiment sur l'aspect avenue des Ternes, c'est pas un arbitrage budgétaire, c'est vraiment ici, il faut voir quand même l'impact de la fermeture de la section ferrée sur la circulation des travaux. Le quartier de Paris le plus impacté par les travaux avec la circulation de tout Paris, c'est le quartier Termaillot. C'est pas le quartier du 10, c'est le quartier du 10e le plus impacté, mais c'est le quartier de tout Paris, où il y a les deux impacts les plus lourds de tout Paris sur la circulation, à la fois la porte Maillot plus la rue de Champéret. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est vraiment très important comme impact. Donc rajouter un chantier quand même important avec des impacts lourds en termes, voilà, à un moment on est, voilà, il faut moduler, donc c'était pas bien. Et après sur l'aspect changement de voie de circulation dans d'autres parties du quartier, vous avez pu remarquer vous êtes très satisfait, on est aussi, le maire de 17e aussi, par le travail sur le quartier Saint-Ferdinand. Le fait est que ça va de pair avec des investissements très conséquents. Vous voyez, c'est le gros investissement de notre projet, c'est la place Saint-Ferdinand, qui le mérite bien. C'était demandé par le maire, par les internautes, par tout le monde. Enfin voilà, À l'association des commerçants. Tout le monde l'a porté. Et donc, le plan de circulation va avec des investissements. Donc, après, moi, je vais vous dire, en tant que porteur de la démarche, monsieur Jean 17e a bien dit que très satisfait qu'il y ait un budget de 5,5 millions, c'est beaucoup pour les investissements de voirie dans les petites voies, les quartiers. Voilà, ce n'est pas 10 millions. Donc, pour faire des changements de plan de circulation très complexes, qui s'accompagnent toujours d'investissements qualitatifs nécessaires, parce qu'on ne peut pas changer de circulation sans faire des intérêts, voilà, on augmente beaucoup nos investissements, mais 5,5 millions, ce n'est pas 9 ou 10 ou 11 millions. Voilà, c'est aussi votre remarque et le reflet. On a une ambition renouvelée, décuplée, je dirais, pour faire ces travaux, mais qui n'est pas sans limite financière. Voilà, on gère la ville aussi, on ne peut pas augmenter les impôts, qui n'augmentent pas d'ailleurs. Donc voilà, il y a bien un chiffre marqué, 5,471,000, ce n'est pas 15. Je vais rebondir, effectivement. Je prends un des messages des gens qui nous suivent en ligne. Hein, donc voilà, ils sont en phase avec vous, avec tout le monde, je pense. Il n'y a pas assez de voies cyclables. Et puis, je vois aussi que, bien sûr, les gens râlent, puisque c'est devenu cauchemardesque en termes de circulation. Et c'est vrai, je pense que ce n'est pas plus mal non plus de maintenant commencer à phaser les choses. Parce qu'aujourd'hui, on a un secteur extrêmement anxiogène de par les travaux, j'ai envie de dire les grands aménagements qui y sont. Et ensuite, on vient rajouter effectivement sur un manque. Et je pense que tout le monde le partage. C'est une évidence. Je pense que c'est plus logique et plus sécurisant de phaser. Mais effectivement, ça nous envoie à 2025, bon, malheureusement. Mais voilà, donc c'est partagé, ce que je vois en ligne. Et aussi sur la circulation, qui ensuite ont des impacts sur d'autres itinéraires. Et je pense que ça va s'accentuer, en espérant qu'après... les jalons, j'ai envie de dire, les calendriers soient maintenus et que ça puisse être ensuite un mauvais souvenir. Bon, soyons prêts pour les JO, en tout cas. Oui, on va peut-être juste répondre aussi à quelques questions qu'on a sur le Facebook. On va évidemment vous donner la parole. Il y a monsieur Roland Bidon qui nous demande, et ça peut-être la DVD va pouvoir nous répondre, c'est sur l'accès des services de secours sur la rue Clayton de la rue du Boulain-Moll, vous allez pouvoir nous répondre. Et puis également, l'intérêt du changement qui a été proposé pour la moitié de la rue des Acacias. Peut-être si vous voulez apporter une réponse, c'est Renaud. Oui, donc sur la rue du Colonel Moll, en fait, les barrières en place n'empêchent pas les pompiers de passer. Enfin, il y a des cadenas, mais du coup, les pompiers peuvent couper les cadenas et passer. Et on travaille avec eux sur les aménagements futurs et en cours, notamment pour mettre en place des cadenas spécifiques aussi pour eux, pour qu'ils puissent ouvrir ça avec encore plus facilement qu'avec un cadenas, voilà, de type avec des cadenas qui s'ouvrent avec une clé spécifique qu'auraient les pompiers dans chacun de leurs engins. Donc ça c'est sur le premier point. Et sur le changement de sens de circulation, eh ben ça répond à l'idée de couper la circulation de transit que l'on peut constater et de chintes sur la rue des Acacias entre l'avenue des Ternes et l'avenue de la Grande Armée. Et donc, ça permet de répondre à ça et aussi de, en partie, donc on a prévu aussi un budget
sur le carrefour avenue Carnot, avenue des Acacias, rue d'Armaillé. Et donc ce changement de sens de circulation, il participe aussi à l'apaisement de cette rue et qu'il y ait moins de véhicules qui aient envie de prendre la rue des Acacias de part en part. Ma question est-ce que, parce qu'il y a énormément de circulation entre les communes d'Ille-Franche, Belgi, plutôt, est-ce que vous avez travaillé avec ces communes pour élaborer un plan de circulation fluide pour les cyclistes, bien entendu, qui habitent ces régions-là, qui peuvent venir travailler à Paris voilà. Est-ce que vous avez travailler en concertation avec... Alors, je me permets de vous répondre, puisque cette fermeture de la porte de Champéret, qui est quand même une première à Paris, une fermeture complète d'une porte pendant 21 mois, ça implique forcément... on a eu heureusement l'expérience déjà de la prolongation du tramway entre la porte de la Chapelle et la porte d'Anières, avec des problématiques qu'on ne rencontre pas là, heureusement. Que sur la prolongation maintenant à Porte d'Anières à la Porte Dauphine, forcément, on profite un peu de cette expérience. Les travaux, on le sait, alors pour répondre concrètement à votre question, le maire Geoffroy Boulard, avec l'ensemble des services de la ville de Paris, notamment également de la mission tramway, avec qui on travaille vraiment avec des réunions préliminaires et évidemment la DVD, il y a un gros travail de partenariat qui se fait, et on a, à la demande de Geoffroy Boulard, dans cette comité d'organisation, effectivement, et on travaille en direct avec les maires, à la fois de Levallois, de Neuilly, de Bussy, il y a même des projets qui se font sur la partie après la suite de la porte de Champéret, peut-être pour de nouveau. On a travaillé avec eux, par exemple, la rue de la Courcelles, qui était fermée entre le Barbertier et la place du Maréchal Juin, pour essayer un petit peu d'anticiper toutes ces difficultés de circulation. Alors, on a une période de travaux, il faut le dire, hein, mais sachez que le maire, vraiment, est très soucieux et les moindres remontées d'informations, on travaille dessus et on travaille avec les communes à la façon de voir, évidemment. C'est un gros travail en commun et sur le court, moyen et long terme. Et la mairie de Paris, et avec tous les services, tout le monde se met vraiment au service des habitants, on est conscient des gènes, on est conscient des difficultés, le plan de circulation évolue en fonction des travaux. Et là, il y a vraiment un gros travail en commun et de ce côté-là, ça se passe voilà, plutôt bien. Et on est preneur de toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer pour les améliorer. Ça, de ce côté-là. Et on a vu d'ailleurs l'impact hein, sur bien sûr sur le quartier Saint-Ferdinand avec une perte de la clientèle venant de la loi de par les travaux. Juste rebondir sur deux points en ligne. Donc une personne parle de la place des Ternes. Alors la place des Ternes ne fait pas partie du quartier Ternes-Maillot mais du quartier Courcelles-Wagram. Néanmoins, ça signifie que l'idée de végétaliser les places me semble séduisante. Et de façon unanime. Et puis un autre point, donc les questions sur les places de stationnement reviennent. Comme nous l'avons dit, nous sommes très vigilants, M. le maire l'a dit aussi, sur les suppressions qu'il pourrait y avoir en surface et qu'on puisse être avisé en amont et voir la sauvegarde sur les places en sous-sol. Voilà, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Bien sûr, on n'est pas sur une radicalité. Par contre, on est sur une coexistence de différents modes de mobilité. Alors, vous l'avez souligné, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un écosystème qui est un peu nouveau. On ne l'a pas. Maintenant, si on va par exemple à Amsterdam, si on va dans d'autres capitales européennes, quand on revient, par exemple, on vient de déplacement professionnel, effectivement, c'est plus commun, c'est plus développé. On a peut-être un petit temps d'adaptation à avoir, mais effectivement, on est dans un écosystème un peu nouveau. Il y a différents modes de mobilité qui se croisent et bien sûr, ça peut être très perturbant, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, il y a un équilibre à avoir sur les différents modes qui vont du pied à la voiture en passant par la trottinette, par le vélo électrique. Voilà. Et donc, de façon complémentaire, il se trouve sur les aménagements cyclables avec la banlieue, il se trouve que je crois que vous et moi, nous sommes tous les deux membres de l'EXE, on est aussi conseillers métropolitains, on est tous les deux membres. On est tous les trois membres, quatre membres du.
on est membre de l'exécutif et donc il est responsable de la communication et de plein d'autres choses. Et moi, je suis responsable des aménagements cyclables au sein de l'exécutif. Donc, on a fait adopter un plan vélo métropolitain au mois de juillet qui prévoit d'ailleurs un axe qui va passer sur le 17e et pas dans ce quartier, en lien avec une ville, la loi, etc. Donc, voilà, il y a la métropole travaille un plan vélo métropolitain et il se trouve que les élus du 17e et les élus de Paris travaillent aussi. Donc, voilà, il y a bien une démarche et on va très fortement les investissements et tout ce plan vélo a été travaillé avec moi. J'ai travaillé avec 65 maires de banlieue, donc c'est co-construit. Donc il y a bien un travail. La métropole de Paris est une collectivité un peu jeune et là on a voté notre premier plan vélo il y a 2 mois. Donc, les travaux sont pas encore faits. Mais en tout cas, ça il y a bien une démarche organisée qui se fait. Oui. Et juste pour répondre à Diane sur Facebook. Qui nous interpelle sur le fait que la place des termes n'est pas rentrée, la place des termes ne fait pas partie administrativement du quartier Termes-Maillot. Donc ce sera sur une autre étape de ce quartier-là, concernant, nous semble-t-il. Nous avons déjà eu. Eh bien, on va prendre deux questions peut-être dans l'Assemblée. Bruno, si tu veux faire passer le micro. Bonjour. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter pour améliorer la circulation des bicyclettes, de commencer un peu par boucher tous les trous sur la chaussée, les imperfections? Ça a déjà été très amélioré. Ça peut expliquer que certaines bicyclettes montent sur le trottoir pour éviter ces trous. Et aussi, dans un temps plus reculé, peut-être, est-ce qu'un jour on supprimera les pavés? C'est une des calamités pour les bicyclettes. Et une deuxième question, tout autre, pour améliorer la propreté. J'ai constaté qu'il n'y avait rien du tout dans le quartier pour les chiens, les crottes de chiens. J'ai vu à Saint-Ouen des petits parcs, qu'on appelle des cani-parcs, clôturés d'environ 10 mètres carrés, ça ne prend pas tellement de place, avec de la végétation, et les chiens allaient faire leurs crottes là-dedans. Et c'était, j'ai trouvé ça génial. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter? Il y a des endroits où il y a des trottoirs très larges. On pourrait en mettre, par exemple, sur l'avenue qui est entre le boulevard Bouillon-Saint-Cyr et le périphérique, qui mène, par exemple, à la. J'ai vu le pompier. Il y a un trottoir très large. Ça y est, on va dire. Le côté du stade Paul Fallet. Alors. Pour l'instant, vous avez installé des carrés de végétation au pied des arbres. Les chiens y vont, mais enfin, c'est un peu dommage parce qu'il y a des jolies fleurs. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de ce genre? Alors, pour répondre à votre question, madame, sur la deuxième partie de votre question, la première, on laissera la dernière réponse sur la chaussée. Pour les parcs canins, il y en a quelques-uns dans le 17e, il y en a à Batignolles, il y en a à Vézuillet. L'objectif que s'est donné le maire, Geoffroy Boulard, c'est d'en mettre un par quartier. Ça se prend un jour, mais c'est vraiment l'objectif que le maire a donné à cette délégation-là, et donc ça va se faire dans le temps. Voilà. Et effectivement, vous avez raison, parce qu'il y a une demande, et puis on se rend compte que ça marche plutôt bien. Et là, on parle de Batignolles, hein, je pense que c'est plus important d'ailleurs l'arrondissement. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste des parcs canins, mais. Voilà. Et sur la première partie de votre question, sur les trous, peut-être qu'on va laisser Maëlle Allemand. Ah bah, sur les trous dans la chaussée, c'est notre quotidien. Parce qu'en effet, on entretient la voirie, on essaye de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Mais il y en a toujours qui arrivent. Et donc, je peux vous expliquer en gros ce qu'on peut faire comme intervention. Et puis, en gros, on fait des interventions d'urgence. Donc, on rebouche avec de l'enrobé à froid, mais en gros, ça ne tient pas très longtemps. Ensuite, on a une autre. Et donc, on intervient à plusieurs reprises de semaines ou de mois en mois. Le deuxième type d'intervention que l'on peut avoir, c'est on vient avec une machine qui s'appelle un blow patcher qui vient combler dans des voies. Donc on l'a fait dernièrement sur la rue Geoffroy d'Aban, donc qui n'est pas dans ce quartier-là, mais qui permet de reboucher un certain nombre de trous et c'est quelque chose qui fonctionne bien
On avait fait aussi sur l'avenue de Villiers il y a 2 ou 3 ans. Donc ça permet de reboucher des trous sans faire un investissement trop important. Et donc la troisième chose, c'est refaire des tapis. Donc on en refait régulièrement. On avait fait l'avenue des Ternes en partie il y a 1 ou 2 ans. On avait refait la rue du Général Lanzac, par exemple, aussi dans votre quartier. Voilà. Et puis après, avec le tramway, il y a aussi un investissement lourd qui va être fait sur le parcours du tramway. Et voilà. Et donc chaque année, on choisit en lien avec la mairie un certain nombre de tapis que l'on refait. Et puis, il y a aussi des crédits qui sont amenés par la mairie de Paris en centrale pour avoir une action pour refaire des tapis. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis pour votre question sur les pavés, en fait, il y a quand même une volonté de maintenir les pavés parce que Paris, c'est des pavés. Et donc, il y a un souhait des architectes des bâtiments de France de maintenir sur certaines voies des pavés. Donc, par exemple, sur l'avenue de la Grande Armée, où on a fait une piste cyclable, c'était posé la question de mettre de l'asphalte ou de l'enrobé sur la piste cyclable, justement pour améliorer le confort pour les cyclistes. Et donc, d'une discussion avec les ABF, puisque le projet est validé par les ABF, on n'avait pas pu mettre en place ce type d'enrobé. Voilà. Monsieur, vous parlez d'entretien à la rue des Ternes, c'est vrai, c'est fait, mais les trottoirs piétons entre Saint-Ferdinand et l'avenue MacMahon, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui tombent, c'est comme ça. Je partage, c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire. D'ailleurs, il y avait l'acte MacMahon. Oui, oui. Mais bien sûr, mais même sur l'avenue de la Gramme, je me souviens, c'était pas Paris en Seine, c'était l'association des motards en colère qui nous avait alertés. Et ça a été rebouché, hein, d'ailleurs, parce que c'était extrêmement anti-incivil. Bien sûr, y compris les trottoirs. Mais là, bien sûr qu'il y a un grand travail à faire. On a besoin aussi d'un bon riverain, effectivement, comme l'a dit M. Perrono, avec Geoffroy Boulard, ils ont aussi priorisé, parce qu'il y a quand même un certain coût derrière, qui n'est pas simple. Oui, bien sûr. Alors, je vous alors avancer. Moi, je vous propose de finir là pour 20h. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il y a encore une question dans l'Assemblée? Ou est-ce qu'on peut. Allez-y. Un tapis. Ah, oui, pardon. On ne sait jamais quand on utilise des termes trop techniques. Donc, je m'en excuse. Donc, un tapis, en gros, c'est la chaussée. Donc, c'est le revêtement. On refait la chaussée. Donc on enlève le bitume et on en remet d'autres. Et en fait, en dessous du bitume, il y a une fondation qui peut être soit en pavé, soit en béton. Et donc on refait aussi en partie la fondation. Voilà, tout à fait. Alors, bonne dernière question de monsieur derrière. Je vois que vous avez envie de prendre la parole. Il y a déjà vu, je crois, non ? Sur le boulevard Perrin, je vois la végétalisation. Ma question était, est-ce que c'est aussi la disparition du parking qui est à l'entrée porte-maillot ? Ou c'est simplement une plantation d'arbres en face des places ? Ça, c'était la première question. La deuxième question, quand on parle de pistes cyclables sur le boulevard Perrin et sur la rue des Ternes, c'est des pistes cyclables séparées de la chaussée, je dirais, par des objectifs physiques pour sécuriser les petits-enfants. Moi, je réponds sur le premier point, hein, juste pour déjà donner un élément. Il y a un projet qui demande concertation de faire une continuité de la promenade Perrère depuis l'avenue des Ternes jusqu'à la gare et renversée de la Porte-Maillot. Ça ne fait pas partie du projet embellir Ternes-Maillot aujourd'hui. Néanmoins, c'est un projet qu'on doit travailler ensemble. Il y a une vraie volonté de créer cette continuité qui n'existe pas aujourd'hui, puisqu'on a une esplanade publique. D'ailleurs, même dans les remarques en ligne, vous le faites, effectivement, source de nuisance, hein, on le sait. Ensuite, on a un bout de jardin avec un terrain de jeu. Puis ensuite, on a un parking aérien. Puis ensuite, on arrive sur la carte du RRC Porte-Maillot. Ça demandera un vrai projet et une vraie concertation. Il y a clairement une vraie volonté, bien sûr, de donner une continuité. Sur le deuxième point, après, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, M. Perrono, sur effectivement, parce que le boulevard Perrère, c'est assez petit. Donc, je ne sais pas sur quoi on gravit. Pour l'instant, on n'a pas. En fait, on n'est pas rentré dans le dur de la programmation et de savoir comment est-ce qu'on allait faire. En tout cas, voilà, le,
le principe de construction c'est d'un plan vélo, c'est qu'on essaye de faire un maillage principal, un maillage secondaire. Et donc là, dans ce quartier-là, on se dit que c'est intéressant d'avoir une piste cyclable sur le boulevard Pereire et puis sur l'avenue des Termes pour mailler le quartier. Et donc après, plus finement, il faudra qu'on se dise comment est-ce qu'on le fait. Et, oui, si M. Valère voulait dire quelque chose, allez-y. Sur le plan vélo. Non, j'ai pas de. Non. Quelle est l'articulation de tout ce projet d'embellir le quartier Terre Maillot avec le projet de l'aménagement Jardin de Maillot? C'est pour cette raison que le maire a choisi ce quartier comme premier quartier avec les services de Monsieur Roulier. Le fil conducteur, vous voulez dire? Donc l'objectif de le choix de Jean-Paul Boulard, c'est la raison pour laquelle c'est le choix de Jean-Paul Boulard et qu'on partage, mais c'est logique. L'idée d'embellir votre quartier, c'est aussi que tous les travaux dans votre quartier, l'essentiel des travaux soient réalisés en même temps, pour qu'on puisse organiser aussi tous les travaux des concessionnaires de la ville, qui sont 80% des chantiers, en même temps pour limiter les nuisances. Donc comme dans votre quartier, vous avez deux des plus grands chantiers d'espace public de Paris en même temps, vous avez cité la porte Maillot et le tramway, c'était tout à fait logique et cohérent avec notre démarche que Jean-Paul Boulard, et on remercie d'avoir fait ce choix tout à fait cohérent, prenne ce quartier en premier. Et bien sûr, la cohérence de l'aménagement, c'est dans le tramway que l'aménagement de la porte Maillot donne la priorité aux piétons, aux aménagements cyclables, la végétalisation, même si la végétalisation pour la porte Maillot, c'est plutôt côté 16e, parce que la voie de Boulogne va revenir jusqu'à la porte Maillot. Et que ce soit si. Le côté 17e, c'est l'aménagement du parvis, mais là, c'est l'aménagement cyclable, etc. On piétonise, on végétalise, on donne plus d'espace aux piétons, aux vélos. Et à la fois, au tramway, bien sûr, au transport public, la porte Maillot, il y a la gare EOL, RERE. Donc voilà, c'est tout dans une même dynamique de priorité au transport public, au vélo, aux piétons et à la végétalisation. C'est cohérent et on fait tout en même temps. Donc ça, quand on aura fini en 2024, à part la piste cyclable et les éternes, l'essentiel, on ne fera pas le quartier en chantier tout le temps, voilà, c'est tout en même temps. D'accord, si vous êtes tout en même temps et en cohérence, ça veut dire que le projet de construction d'un bâtiment de 30 000 m² n'est plus d'actualité. Ça ne fait pas partie de l'embellir Terre Maillot, ce n'est pas le sujet de ce soir, hein, bien sûr. C'est un quartier Terre Maillot quand même. Hein, oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Bien sûr, mais il y a des réunions publiques qui sont dédiées aux différents projets. Ça ne fait pas partie de l'embellir Terre Maillot. Bien sûr que c'est un sujet qu'on suit de près. Et surtout, une accentuation de la végétalisation sur la première proposition qui a été faite sur l'esplanade du Valais des Combes, bien évidemment. Bien, on va laisser Benjamin Allot va conclure juste avant de petites choses. Je voulais revenir sur le plan vélo. Il faut que vous sachiez que Geoffroy Boulard, le vice-président, évidemment vice-président de la métropole, appuyer et considérant d'appuyer ce plan vélo, qui est important, il se fait avec des associations. Donc sachez que c'est quand même quelque chose qui est aussi au niveau du maire de l'arrondissement est quand même très soutenu. Deuxième chose que je vous propose, qu'on a parlé beaucoup également de circulation, de bouchons et de travaux et de tramway, juste pour vous informer que nous allons faire une réunion publique avec le maire Geoffroy Boulard et un certain nombre de membres de son équipe. Le 23 septembre prochain, vous pouvez le noter, c'est avec plaisir, à 19h30, à l'école Boulevard de Reims. Alors, je n'ai pas l'adresse exacte, et ce sera donc une réunion, on va vous la donner dans quelques secondes. Ce sera une réunion publique avec évidemment les acteurs tout ce chantier, y compris la mission tramway. Il y aura également, évidemment, vous retrouverez à nouveau, je pense, Maëlle ou quelqu'un de son équipe, la DVD. Et vous verrez qu'effectivement, tout le monde essaie de travailler ensemble pour faciliter un peu la vie dans ces moments un peu compliqués et difficiles. Mais enfin, venez, parce que même si ça a des incidences, ça a évidemment sur votre quartier, le Terre Maillot, comme tous les autres quartiers, de la Porte Danière aujourd'hui jusqu'à la Porte Maillot, tout le monde subit un peu, c'est trop bien. Oui, pour le moment, je parle un peu du 17e, parce que je... Mais en revanche, ceci étant, tout le monde quand même, est en train de dire que quand c'est terminé, c'est plus
plutôt bien réussi et ça fonctionne bien. Comment ? L'objet de ce projet. Et bien, ce sera justement d'avoir de vous entendre, de vous écouter et puis de vous l'expliquer aussi. L'objectif, il est là, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de questions par rapport aux travaux et vous aurez là des techniciens. Vous aurez la DVD qui sera là pour apporter des réponses. Il y aura la mission de tramway. Et donc, ce n'est pas la première hein, qu'on fait. Hein. Alors, évidemment, avec la pandémie, c'est plus compliqué. Alors, la fermeture est essentielle. Et là, à ce moment-là, vous verrez qu'on essaiera vraiment d'apporter des réponses. Vous serez inclus à la présentation de la porte maillot. Ça sera le cheminement jusqu'à la porte maillot, puisque le tramway va jusqu'à la porte maillot, des conséquences que vous avez. Oui, bien sûr. Enfin, c'est les incidences qu'il y a aujourd'hui quand vous êtes bloqué sur le boulevard Saint-Ciel, ça a des incidences dans votre quartier à Carmeo. Hein, voilà, vous en avez vous-même parlé d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, écoutez, en tout cas, je peux maintenant, sauf si peut-être vous avez, messieurs, à nouveau à vous remercier, bien sûr, je vais laisser Benjamin Malo conclure cette réunion. Je crois que tout a été dit. Merci, cher Pierre-François. Tu es le bienvenu à Terre-de-Maillot, le plus beau quartier du 17e arrondissement. J'étais membre du conseil de quartier, je ne sais même pas si tu étais. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous, cher public en ligne et physiquement. Monsieur le maire, merci beaucoup. On a été à la hauteur de l'accueil dans le 17e arrondissement. On est sur avec Geoffroy Boulard samedi dernier à la mairie du 20e arrondissement, pour les universités d'été, territoire zéro chômeur de longue durée. Pas de lien avec l'arrivée de ce soir, mais voilà. En tout cas, on a été bien accueillis, donc j'espère que c'était le cas aussi chez nous ce soir. Merci, Madame Maignan, Monsieur Malard et Monsieur Perronneau, de votre participation. Juste pour vous dire que, d'abord, je pense qu'il faut se saisir de ces projets. Je pense qu'on a beaucoup de chance. Effectivement, on a de grands travaux. C'est très anxiogène, c'est très accidentogène, on le sait. Le nord du 17e l'a subi aussi. Là, je pense que on sera prêt pour les JO 2024. Voilà, on arrive dans un secteur aussi qui va être multimodal, qui va être dans l'interconnexion. Et ça, c'est très important pour desservir Paris, sa banlieue et puis l'intérieur de Paris. On a la chance. Alors, on a des grands projets d'aménagement. Pour moi, c'est une chance, mais c'est des années très difficiles. Ça, c'est une certitude. On a la chance d'avoir embelli en Terre-de-Maillot avec, je le rappelle, c'est quand même important, 5,5 millions d'euros d'investissement. Et je pense que voilà, il faut s'en féliciter. On a aussi, on ne l'a pas dit, ce n'est pas la réunion de ce soir, mais n'oubliez pas, il y a la révision du plan local d'urbanisme qui a fait aussi l'objet de réunions de concertation. Et il y a aussi des points de notre quartier qui ont été remontés, bien évidemment, pas uniquement sur l'urbanisme, mais d'une façon générale aussi, sur des questions d'environnement durable, de vie, de qualité de vie, de végétalisation, etc. Voilà, vous dire aussi que voilà, ces grandes orientations, comme ça a été dit, elles sont partagées entre la mairie du 17e arrondissement et puis la mairie centrale. Il y a eu des phases de concertation. Maintenant, sur les petits aménagements, ça va débuter à l'automne. Sur les grands projets structurants, comme les places, d'ailleurs, je pense que voilà, maintenant, il faudra avoir en tête que végétaliser les places, c'est une bonne démarche. En tout cas, on l'a vu d'ailleurs quand la présidente et les commerçants de la rue Saint-Ferdinand l'ont fait pour la fête. On a pu voir ce que ça donnait et c'est franchement une belle idée. Voilà, et sur les grands projets, on va retourner sur de la concertation parce que c'est de la co-construction. On le fait ensemble et on a souvent à chaque fois entendu dire on nous impose des choses. Donc là, voilà, il faut absolument s'approprier les projets et y participer. Et on sait que dans notre quartier, ce n'est pas forcément simple. Et on le voit hein, sur les votes. Je rappelle aussi, il ne faut pas oublier le budget participatif. Et aussi, on a trois grands projets sur Terre-de-Maillot. Il faudra voter. Et je sais que dans ce quartier, c'est un petit peu difficile. Donc voilà, c'est des messages aussi pour revitaliser ou redynamiser la parole prise. Et le PP, les votes pourront commencer à partir de demain, si je ne me trompe pas. Donc il y a une réunion de lancement le 9 septembre, c'est ça, c'est demain. Voilà, et puis vous dire qu'il y aura un replay. Et surtout, abonnez-vous à la newsletter sur le site de la ville de Paris, sur le site de la mairie du 17e arrondissement, et puis aussi sur les réseaux sociaux si vous en avez, afin d'être informé le plus possible. Et il y aura un replay, bien évidemment, disponible. Voilà ce que j'avais à vous dire. Mille merci, et puis restons soudés pour un plus beau quartier. Voilà, merci beaucoup.